là aujourd'hui, il faut qu'on se prépare, prenne notre petit déjeuner et on va aller réserver nos billets pour cet après-midi parce qu'on va faire un tour en bateau. Et ensuite, on va aller pour 10 heures au musée de l'air et de la mer. Donc voilà, c'est parti. On a récupéré les tickets pour le bateau de cet après-midi et là maintenant on va aller au musée qui est juste derrière moi. On vient de terminer la croisière. Ce matin, on s'est un peu fait avoir par le temps pour le musée. Je pense qu'il faut vraiment compter 2 bonnes heures dans le musée parce que nous, on a passé à peu près 1h30 et il y a trop de choses à voir, trop de choses à faire. On est hyper étonnés parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup fait la queue pour les musées, les attractions et tout ça. Donc on est content parce qu'on perd pas trop de temps. Et par contre, on a eu super froid sur le bateau. Au début, ça allait, mais au bout d'1 heure, on avait trop froid. Et perso, je trouve qu'il est un peu long le tour, mais bon, après c'est que mon avis. Mais je pense que si vous n'êtes pas là pour longtemps, je suis pas sûre que ce soit le truc à faire. Après, au moins vous voyez la Statue de la Liberté, enfin les monuments et tout ça un peu de loin. Mais bon, je sais pas. J'ai hâte de voir le tour qu'on va faire pour justement aller à la Statue de la Liberté, parce que je pense que c'est un peu kiff-kiff, donc à voir. I think that we doesn't be 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 I think that we does